La conférence d'après-match de l'entraîneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, du mardi 11 janvier a fait couler beaucoup d'encre. Sa réaction face à la question du journaliste ivoirien, Adoumel tendant à jeter l'opprobre sur le confrère a fait réagir plusieurs acteurs des médias dont son employeur. La question du journaliste Adoumel lors de la conférence de presse d'après-match Algérie Sierra Leone à l'entraîneur des Phoenix, n'est pas sortie du contexte comme le fait croire l'opinion. Selon le patron de Afri. Presse employeur du journaliste. Le journaliste n'a pas été humilié, je suis son patron. Je suis fier de lui, ce n'est pas une humiliation. C'est un entraîneur de mauvaise humeur après son résultat dont il est mécontent. Sa question répond bien à un contexte. A réagi Alafé Wakili. Le climat joue sur l'organisme des athlètes. En effet, face à l'échec cuisant du champion en titre de la Coupe des Nations de 20219 devant la Sierra Leone, le prétexte pour le sélectionneur serait lié au climat. Puisque pour lui, ses joueurs évoluant en Europe dans un climat où il fait froid, celui de Cameroun avec la forte chaleur aurait impacté sûrement la performance de ses poulains. Aujourd'hui il fait très humide, très chaud. Ça pèse sur l'organisme des athlètes, a-t-il accusé. Contrairement en Algérie où il fait froid. Qu'on joue à 14h ou à 18h il fait froid, a prétexté le sélectionneur algérien. Le contexte de la question du journaliste Adoumel. Si le climat joue en partie sur l'efficacité des athlètes, qu'en serait-il en 2023 en Côte d'Ivoire où il pleut fréquemment en juin et juillet, période à laquelle se jouera la Coupe d'Afrique? A interrogé Mel. C'est cette question qui a engendré la colère de l'entraîneur au point de lui répondre violemment. La réaction de son patron, il était hier à la conférence presse. Par la suite les questions sont sorties du contexte par le refus de l'entraîneur de parler franchement. Là si pour lui dire qu'il faut arrêter de parler de climat, car en 2023, ce sera le même climat et si le climat doit ainsi poser problème, il y aura problème. Lire sur le même sujet qu'en 2021/ jour de match, avant la rencontre Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale, l'adrénaline monte au sein des supporters. L'entraîneur a parlé de climat lui-même, comme si hors d'Algérie et de l'Égypte, l'Algérie n'aurait pas gagné. Sans oublier que les pays venus d'autres régions, ont pu subir cela. Quand on met les choses ainsi en situation, on ne s'arrête pas sur un détail pour parler d'humiliation. Je vais lui envoyer lui une prime devant pour sa résilience. Il le mérite de ma part. A déclaré Alafé Wakili. Notons que, le premier match du groupe qui a opposé l'Algérie à la Sierra Leone s'est soldé par un match nul, 0-0. Un autre match du même groupe aura lieu ce soir à 19h entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale.